Bonsoir, bienvenue sur Entrée de Live, où nous reprenons donc l'aventure Darkest Dungeon. Et on vient de copieusement poutrer le prince porcin. Bon, on n'a pas suivi la strat du tout, mais on l'a tué quand même parce qu'il était niveau 1. Et que niveau 1, ça passe crème. Et la dernière Vestale qui nous manquait. Parfait. A sister of battle, pious and unrelenting. Non, ça on va pas l'améliorer tout de suite. On va l'améliorer donc. With enough ale, maybe they can be inured against the horrors below. Avec assez de bière, il pourrait peut-être être immunisé contre les horreurs qui les attendent. Un alcool fort, un jeu de hasard et de la compagnie galante. Le torrent de la vie. Si vous le dites. Bon. Toi, tu es guéri de ta kleptomanie, j'espère? Oui. Par contre, tu as besoin de te faire soigner parce que tu es malade. Tu es atteint d'hémophilie et de spasme. Tu t'es pas loupé, mon gars. Un traitement sans su pour un hémophile. Le pire truc à faire. Soigner un hémophile via une saignée avec tes sans su, quoi. Excellent. Bon, c'est bien, il reste plus que 3 boss à faire. 3 boss niveau 1 et on arrive au palier 2 et là les choses sérieuses commencent. Bon, on continue d'envoyer des dégâts niveau 1 pour les faire pets, hein. On va les faire s'entraîner. Mais t'as rien de bon, toi. Ah oui, donc la compétence fusée de ralliement, parce que c'est ça qui enlève les marques, ne sert que pour le prince porcin. Je le préviens à l'avance. Après, vous pouvez la remplacer par la compétence qui lui permet de soigner ses copains. Et on emmène tout le monde chez le forgeron. Ben voilà, comme ça tout le monde est équipé correctement. On va récupérer le matos qu'on a donné à nos chers compas. Je reprends ça. Bon, ça tu peux, ton truc de mercenaire, tu peux le garder. Je reprends juste ça chez toi. Ah non, je vais aussi te reprendre ça étant donné qu'il y a une arbalétrière dans le groupe. Quoique j'en ai deux, un de plus, un de moins. Ah c'est marrant, il me semblait d'avoir un maître chien avec Tuston. Ah mais oui, le voilà. Mon dieu que c'est lent avec la manette. Enfin sur la version console. Sur PC ce serait c'est tellement plus intuitif quand même. Vivement le nouveau PC.
Oh, c'est bon, on va t'équiper de ça, de toute façon, on n'a rien de mieux à te mettre. Mon chat qui va encore tes siennes. Bon, on n'a pas de médecin de peste pour aller là-bas, ça va être un peu chaud, mais je pense qu'il y a moyen de moyenner. J'ai confiance en mes mercenaires. Ou pas. Et donc je crois que... Donc il nous reste la chair instable à tuer. Équipage noyé. Et je crois que le... Oui, le canon, c'est ça. Il nous reste le canon à faire. These salt-soaked caverns are teeming with pelagic nightmares. They must be flushed out. Oh punaise, deux noyés. Oh, ça va être méchant. S'il y en a un seul qui explose, ça va faire très mal. Si deux explosent, je vais peut-être avoir tes morts. Donc ouais, non, je vais pas prendre le risque de leur laisser le temps d'exploser. Et merde. Une chance sur deux et elle chope le mauvais, quoi. Elle chope encore le mauvais, mais arrive encore à le louper aussi. Il y a du talent quand même chez elle. L'esquive de cette méduse. De cette espèce de méduse dégueulasse m'impressionne. Ah non, attendez. Descends. Allez, descends. Pour vous expliquer, il essayait de monter sur la console et donc il y avait de fortes chances qu'il foute sa patte sur le bouton putain de la console en plein stream. Ça aurait été une expérience intéressante, mais pas pour le stream. Ah oui, pardon, pardon, je suis con, c'est une pelle qu'il me faut. Ah. Ah oui, par contre, c'est un couloir ce donjon. Ah, et mon maître chien n'est pas très bon en repérage, hein. Vous le noterez. Ainsi de l'arbre à l'étrier en soi, hein. Ah ben, en fait, les mecs, ils attendaient que j'ouvre ma bouche pour me faire passer pour un con, en fait. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que s'ils s'amusent à me prendre pour un con comme ça devant les gens, je peux les laisser crever si j'ai envie. Elle les coupe quand même en deux, hein, les noyés. Faut être honnête. Ah, elle a pas chopé le bon encore. Oui, vous avez bien vu, hein, c'est Saumur l'attaque, hein. Comme un certain Louis La Saumur, très connu en Belgique. On dira pas pourquoi. Tenir un gros réseau de prostitution. Et c'est pas une blague en plus. As the fiend falls, a faint hope blossoms.
As victories mount, so too will resistance. Allez, on va virer le jade. Parce que j'ai vraiment besoin de retaper un peu tous mes biens, quoi. Parce que pour le moment, ça fait un peu la gueule, hein. Si j'aurais su. Is struck. A blazing star is born. Alors, une petite pelle. Ah, le jeu me troll en fait. Il me dit, ah, t'as balancé mon jade. Ok, t'auras que ça en fait. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made ah clear. Mes meilleurs amis, les hommes poissons bleus. Mes amis au gros DPS. Harponnage, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, 7 points de dégâts. Ah, une esquive. Ah, t'as un peu fait là, mon droit. Es-tu triste? Donc, vous avez passé votre tour maintenant. Ouh, le critique qui bouge. Qui bousille littéralement. Leur mage, parfait ça. Donc ils n'auront pas de heal et pas de dégâts de stress. Parfait. Oh le gros critique à 16 PV rendu. Ok, donc c'est celui du milieu qui attaque toujours en premier. Donc on va le tuer en premier. Sauf si bien sûr je l'ouvre comme une brêle. Un petit jugement dans la gueule. Avec un carreau d'arbalète, s'il vous plaît. Voilà. Ah non, fais pas la barrière. Oh merde. Mais non, il va se prendre les coups à sa place. Par contre, il ne peut pas le protéger des dégâts de zone. Ah, oh, il encaisse comme un porc. Par contre, j'avais oublié que si on le stunait, on pétait sa défense. Je n'y pensais plus à ce détail. Allez, rejoins tes ancêtres. Puis on finit en barre de Fechtik. Bon, là techniquement il est mort. Voilà. Ah, plus qu'un combat, ça va, c'est gérable. Oh, bonus de quoi? Ah, 18% de dégâts en plus. Ça fait plaisir. J'aurais préféré que ce soit sur ma furie à ce tarif-là, mais bon. On n'a pas toujours ce qu'on veut, comme on dit. Another mariner, another misfortune. Oh, ça va être compliqué. Ils partent, ils ont du dégâts de stress et beaucoup de DPS physique.
Bref, tout ce que je déteste en somme. Le petit critique, allez. Bon bah ça va aller tout seul maintenant qu'il n'y a plus là. Vu que là ils vont être perma de contrôle. Et que techniquement je les tuerai avant qu'ils aient le temps d'attaquer. Ou pas. Ou pas. Bon, si je peux rendre les coups hein. Par contre les critiques en soi qu'elle tape, ça c'est violent. Ah non, on continue, il y a encore plein de pognon. Il y a encore plein de pognon à se faire, ça tombe. J'ai plus de pelle. Oh non. Oh, j'ai plus de pelle, dommage. Enfin, il me semble. Oui, on a plus de pelle. On a plus de pelle. At last, wholesome marine life can flourish. If indeed there is such a thing. Ah, par contre, niveau leg, là techniquement on a fait un petit plein, donc ça va pouvoir permettre de retaper encore la cabane bien correctement. Allez, deux inventaires niveau 2, c'est bien, ça sera tout pour les boss. Plus 3 de critique, ça c'est cool. Fatigue, moins 10% de dégâts, c'est plus bien moins 50%. On s'en fout, elle tape pas. On va te faire foutre. Ah, ce troll tu joues. L'événement tu seulement sacré. Donc en gros le jeu te donne deux vestales. Là où maintenant j'ai plus besoin de deux vestales. Super. Donc les sœurs de Sainte Marthe mèneront le service au champ de Nous sommes la flamme. Suite à quoi elles entendront les confessions dans la salle basse. C'est mignon. Ça aurait été cool d'arriver plus tôt. Mais bon hein. On va pas en demander trop aux gens, hein. Fan the flames, mold the metal. We are raising an army. Voilà, là donc, on va faire encore tes économies dans les armures, ça c'est cool. Un anneau tueur d'humain, ça j'avoue que ça ferait mon affaire. Au cas où que j'arrive à monter assez vite à un groupe pour tuer Vulf. Seulement ça me fait perdre une semaine clonement, hein, je préviens, parce que là ça va te faire monter là vu qu'on a fait tous les boss de palier 1 là. Mais bon, ça serait cool de pouvoir se faire Vulf. Et en plus de ça, contre certains boss ça pourrait servir, donc on va la faire. Je suis désolé mais.
tu vas me rendre ça. Toi, tu vas me rendre tout ça. Allez, je vais partir sur Vestal comme un gros con. Mais oui, mais oui. Alors, qu'est-ce qu'on va te mettre pour toi, mon grand? On verra après, toi. D'abord, on va faire la Vestale. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui mettre à celle-là? Ouais, allez, on va booster sa précision. Et allez, on va booster sa vitesse. Comme ça, elle trappera toujours en premier. Ce sera pas du luxe. Et alors toi, alors, mais toi, je sais pas du tout ce que je vais te mettre. Bon, dégâts au saignement, ça me paraît logique. Ah, compétence à distance, plus 10%. Ah ben voilà. Alors on va emmener tout ce petit monde à la guilde pour les faire, pour les améliorer. On sent quand même que ça va beaucoup mieux depuis qu'on a fait réduire les coûts. Hein. Oh, toi par contre, t'as beaucoup à apprendre. Voilà, là t'es plus intéressante. Oh, tout ça fait du bien d'avoir tes coûts réduits d'armure et d'armes et de compétences. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien à la bourse, tout cela. J'entends ça, ça arrive de retourner en mauvais jeu de mots, ça, dans les commentaires. Alors, est-ce que je peux améliorer un bâtiment? Mais c'est merveilleux, je ne peux rien améliorer. Ah, réduire le coût en traitement des maladies mentales. Ne peut pas faire de mal. Parce que si je rechope du kleptomane, hein. Ah ben voilà, ce petit groupe, il est prêt, il est paré pour l'aventure. Et alors, désolé pour cette semaine inutile, hein, mais j'ai vraiment besoin de dégâts contre les humains. Parce que si on arrive à faire Wulf, ça pourrait être sympa. Pourrait être très très sympa. Bien que tout ça, je le promette pas. Hein.
Ok, il désarme bien, ça c'est cool. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Eh là, qu'est-ce qu'on a? Ok, ils peuvent faire mal. Ah merde. The match is struck. A blazing star is born. Bon, les arbalétriers vont attaquer deux fois normalement. Une. Deux. Heureusement qu'ils sont que level 1. Donc, plus tard, vous allez voir qu'ils vont nous arracher la tête. Ah, du bon heal là par contre, ça c'est cool. Et un critique, allez. Et bim. Bon, ça va rien lui faire étant donné que ça, bah, résiste au saignement, tout ça, tout ça. Mais par contre, il résiste pas au stun. Et certainement pas au poison! Le poison! J'arrive vraiment pas à faire la voix que beaucoup de streamers font avec ça. Désolé, hein, j'essaye. Je sens que je vais me faire mais tuer sur cette vidéo, je sais pas pourquoi. Ah cool, ça rapporte bien quand même ça. Ah bah la vache, il est généreux là le jeu d'un coup. Alors vous deux, vous n'attaquerez pas ce tour-ci. Ah mince, il attend d'attaquer. Dommage. 19 de stress. Ah oui, d'accord. Ah, il déconne pas le mec. Oh non, plus il déconne pas. Allez, un petit peu de poison. Ah, quand même 3 dégâts de poison. Ça va. Donc en gros, bah toi qu'il arrive, il meurt au prochain tour. Mais si on peut faire un crit qui rend de la santé mentale après, hein, j'ai envie de dire, pourquoi se priver. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Eh bah vous êtes un peu. Ça en fait des ennemis tout cela, dites-moi. The way is lit, the path is clear. We require only the strength. Oh, ce critique.
charges as the enemy crumbles. Bon bah, on leur a roulé dessus. Grâce à un très joli critique, hein, je tiens à le préciser. Ah, et il loupe. Ah, il va t'arriver de sales choses à toi. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Esquive plus 10 points et protection plus 15%. Ok, elle est incroyable. Ah, il joue en premier, sale type. Aïe. Alors, on va essayer de le mettre bien pour pas que le saignement lui fasse perdre trop de PV. Ah, tu saignes au point de ne plus savoir viser? C'est quand même malheureux ça. Oh là, le stress que je me prends à cause de ce foirage de mon bandit. Si je le paierais, je lui couperais le salaire. Et là, c'est. Quoi? Attends, on n'est pas payé pour ça? J'ai rien dit. Ouf, ça va, parce que si on sait à focusser, en plus ça les pique quand même tout cela. Ah, on va le torturer un peu. Et aussi amortir le saignement. C'est surtout ça. Sauf si bien sûr mon bandit essaie de lui arracher la gueule à toute dague. This expedition at least promises success. The light. The promise of safety. Allez, le petit stun qui passe, ça passe. May we find victory. Oh eh, par contre le critique, toujours sur le petit squelette là, il s'est les placé hein. Que ne leur point faible le mec. Ok, lui aussi il se sent plus pissé. Et alors, encore un squelette en moins. Ténue à tout le poison et saignement qu'il a, il va mourir tout seul dans sa chiasse, normalement. Bien que pour être sûr, allez, encore un peu de poison. Voilà. Fais comme Geoffrey Baratheon, s'il te plaît. Prends de la tourte. Ah,
Ah bah non, oh, on est là, le donjon est quasiment pas fait en entier. Non, 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 non. Moi je dis on continue à piller l'endroit. On va virer le tas de bouffe, on va prendre un petit risque un peu. De toute façon, il reste que 2 unités de bouffe, ça va. On va s'en remettre. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Ah, par contre, les pièges, t'as du mal, hein. Ah bah oui, mais c'était une mission de d'extermination. Donc en fait, il n'y a plus de combat dans les salles. Donc il n'y a plus que les couloirs qui sont dangereux en fait. Et encore. Et encore. Oh, qu'elles sont mignonnes! Totalement suicidaires, mais mignonnes. Ah ouais d'accord, tu vas le faire un crit, elle détonne pas elle. Elle a quand même réussi à frapper en balançant sa toile, comme si elle mettait un gros coup de hache dans la gueule de mon aventurier quand même. Hein. Moi je dis... Je dis qu'il y a du métier derrière tout cela. Ouais, non, c'est bon, on va faire sans l'appel, on va prendre un risque. Faut vivre dans le risque un peu de temps en temps. Ah, truc d'alchimie. Ça tombe bien, j'ai pas d'alchimie, j'ai pas de médecin de peste. Mais bon, ça ne coûte rien d'essayer, hein. Elle est beaucoup plus rentable que les médecins de peste quand elle veut, elle. Mais où veux-tu que je carte tous ces torts? Faut arrêter un moment le jeu. Oh chiasse! Je crois qu'ils vont tous être bons pour avoir tes soins de santé mentale après cette aventure. Excusez-moi, j'ai failli éternuer. Peut-être ça pourrait arriver encore. Bon, la petite torte lui fait plaisir. Tiens, je te la renvoie. Ah, pas de critique ce coup-ci, tu me fais de la peine, hein. Tu me fais beaucoup, beaucoup de peine. Allez, un peu de poison, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, ça me fait marrer. Le poison tue les morts-vivants, mais pas le saignement. Après, j'ai envie de dire pourquoi pas. Là, si le saignement ne le tue pas de lui-même, je ne comprends plus rien. Enfin, l'empoisonnement, pardon. Ça t'apprendra à faire de meilleurs jeux de repérage. Eh
Ah bah voilà, un donjon parfaitement effectué. Je pense qu'on est largement rentable en or. Le contraire m'étonnerait beaucoup. Voilà, grosse rentabilité en or. Haine pour les impies. Évidemment, plus. Ça fait des mois que le jeu est sur la console, hein, enfin qu'il est disponible sur le PSN et qu'ils ont toujours pas patché ça. Hein. Ça devient problématique quand même. Donc, plus 15% contre les humains, moins 15% de dégâts de stress contre les humains. Phobie et ruines. Plus 1% de stress dans les ruines. Ah, bah super! Ah, ça c'est cool par contre. Le forgeron. Alors, au final, les heures passées à fouiller les vieux tonneaux et les râteliers d'armes abandonnés. Oh, attendez, on va la refaire. Au final, les heures passées à fouiller les vieux tonneaux et les râteliers d'armes abandonnés ont porté leurs fruits. Amélioration gratuite d'armes. Une fois. Donc, je peux améliorer une fois une de mes armes. Gratuitement. Donc, ça c'est nickel. Des icônes dorées et des rituels dogmatiques pour certains tonifiants contre les bains de sang. Des amusements et badinages attendent ceux qui franchissent la porte de l'or à la main. Ah ben voilà, on va améliorer ton arbalète gratuitement. Voilà, ça coûte pas d'argent, c'est bien. Ah, un anneau contre les bêtes, ça aussi c'est cool. Oh. Ah, l'anneau contre les bêtes est plus rare. Enfin, du moins, il est plus puissant, en fait, vu que l'anneau contre les bêtes donne moins de malus. Bon, ça sert contre certains types d'ennemis, mais en attendant, c'est sympa. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de regarder si je pouvais pas améliorer quelque chose là. Non. Est-ce que je peux améliorer quelque chose là? Oui. Parfait. They must learn more than brutal bloodletting. They must learn to survive. C'est bien, ça refait tes entraînements beaucoup moins chers. Pourtant, je crois que tous ceux du royaume mission là, ils sont bons pour aller se faire soigner. Exactement. Au moins, c'est bien, ma banque est vraiment. Enfin, ma banque, mes breloques sont vraiment en bonne quantité, donc j'ai une réserve d'or en cas de pépin. Ça, c'est cool. Ah, t'as besoin de prier, toi, je parie. Mais oui, évidemment.
Ah, toi aussi, tu as besoin de méditation pour perdre du stress. Ah, c'était sérieuse. Vous êtes presque pas chiante, mesdames. Par contre, il va être temps de débloquer les boss parce que je commence à être à court d'aventuriers de niveau 0 et 1. Bon, pas plus mal diront certains, mais c'est parce que je les ai pas débloqués encore, malheureusement. Waouh, quel donjon! Un couloir hanté! Waouh! Et c'est là que mes aventuriers vont se faire massacrer et j'ai oublié de les équiper. Je devrais pas jouer le matin en fait. Ils se font défoncer d'entrée de jeu. Cette violence, bordel de merde. Another one falls. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? A fortune waiting to be spent. Encore des araignées! Oh bordel! Oh mais est-ce qu'elles font mal avec leur poison? Et lui qui loupe tout, bordel! Et là, qui se fait stun à toutes les lunes, quoi. Ça va vraiment pas le faire. Ah ouais, non, 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 non. Mais arrête de louper, espèce de brêle. Another abomination cleansed from our lands. Ah merci. Thank you.
Alors lui, on va le soigner, mais comme un cochon. Oh, le gros soin sans stuff. Ok, tout va bien. Oh, mais je fais que tes erreurs ce soir, franchement, je fais que tes conneries. Heureusement qu'on est encore pas lié à ce niveau-là. Parce que si je ferais tes conneries pareilles dans tes... Ah merde. Dans tes paliers de niveau 2, mon gros d'aventurier est mort, tout simplement. Ah la vache! Ah ouais, mais la violence des groupes par contre là. Bon, moi il marque le même, hein, donc et là, c'est avec le gros DPS dans sa tronche encore. Voilà. Oh, ça, ça fait plaisir qu'ils aient loupé ça par contre. Et bim, 10 PV de rendu. Et un peu moins de dégâts, ça fera toujours plaisir. Ah, pas de poison s'il te plaît. Voilà. Ah pardon, le donjon il est très généreux. Il est très très généreux. Measure awarded to the brave and the foolhardy alike. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Oh, un maître d'armes a des compétences de désamorçage chlorette? Je suis surpris. Agréablement, hein, bien entendu, mais je suis néanmoins surpris. Spirits are lifted and purpose is made clear. Oh, un petit combat, allez. Ah, 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 ils vont peut-être me tuer en fait. Il faut que je focus les mêmes chiens.
J'aurais bien voulu qu'elle le tue celui-là. Mais bon, au moins un chien tombe. Oh, la prophétie maléfique, merci. Oh, il est presque mort lui. C'est un maître des esquives ce mec. Encore prophétie maléfique. Oh, il va tellement me les défoncer comme ça. Bah voilà, tatanez-le, s'il vous plaît. Allez. Je te demanderai pardon s'il te... Arrêtez de le louper, défoncez-le moi, s'il vous plaît. Ah! Enfin, 4 coups plus tard. Seize this momentum. Push on to the task's end. Voilà, l'avantage qu'ils aient pas de stuff, c'est que j'ai pu faire ça. Allez, on prend un risque. Il fallait le prendre. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Mais oui, allez-y, mangez, 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 mangez. On prend encore un risque. Qui paye? Ah bien voilà, aventure bouclée. Et sans stuff. Attends, je pense pas qu'on va être rentable niveau or. Ah, c'est pile poil. Pile poil à script. Ouais, on est même positif. Un peu positif. C'est très bien. C'est très très bien tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Maîtrise tes armes. Coût d'amélioration d'armes, moins 20%. Ça, c'est cool. Cible les impies, plus 20 de précision, plus 10 de précision contre les impies, plus 3% de critique contre les impies. Force mortelle, 1% de critique en plus. C'est bien, mais elle tape pas. Dégâts de stress, moins 20% dans la critique. Bien! Ah! Fête du village. Le village est illuminé par un esprit de bienveillance et de fête, mais cette célébration de la ville ne devrait pas durer longtemps. Toutes les activités d'énergie de stress sont gratuites. Oh, 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 oh. Ça c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd, ça. C'est clairement pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors écoutez, bah, je te remercie à tous ceux qui ont regardé le stream. Ça m'a fait très plaisir. N'hésitez pas à nous follow et à nous suivre sur Facebook et Twitter pour savoir quand c'est qu'on stream. Et alors n'hésitez pas à aller voir la chaîne tes copains tels que Highlight, Toulou et Shepawam et Widina bien évidemment. Moi sur ce je vous dis à tout à l'heure sur du Horizon. Salut.